quand on parle du vin Bordeaux, pour nous, c'est un produit d'exception à la renommée internationale. Si on part dans les quatre coins du monde, qui c'est qui ne connaît pas le vin Bordeaux? Du coup, on a essayé avec mon équipe d'essayer de pousser un peu plus loin et de faire partager avec les gens ce qui est à la source de ce vin, c'est-à-dire toute la dimension humaine et ce savoir-faire qui caractérise chaque bouteille. Le fait de participer à un tel concours, ça a été pour nous une occasion d'exprimer pleinement nos talents en matière de digital. Et donc, c'était un réel défi de pouvoir proposer une manière ludique et fun pour s'approcher du vin et du monde du vin. Nous, on est parti sur un projet d'escape game. C'est un jeu où on a pour objectif de sortir le plus rapidement d'une pièce. Et donc, nous, on a imaginé deux sortes de pièces. Une pièce qui est historique pour relater toute l'histoire derrière le vin de Bordeaux, et puis une autre qui est plus technologique. Et pour engager davantage les gens, on a pensé à un système de concours, une diffusion sur les réseaux sociaux directement et donc à des jeux, à des lots à gagner à la clé. Il y a aussi une campagne digitale qui l'accompagne avec des affiches en fait, interactives qui permettent de raconter une histoire derrière le vin. Il faut voter pour nous parce que nous avons créé un événement, l'Escape Game, qui permet justement d'apprendre aux nouveaux consommateurs en s'amusant avec deux salles, une technologique et une historique. On a réussi à relever un défi un peu compliqué qui est à savoir de mixer ce côté plutôt traditionnel avec un univers technologique. Pourquoi voter pour nous? Parce qu'à travers notre concept, on a réussi à mettre en avant les valeurs de l'équipe qui sont également celles de notre cible, le partage, le fun et la valeur de l'histoire. Parce que tout simplement, nous avons pensé à vous en vous mettant au cœur de notre expérience.